et bienvenue à notre quiz annuel Génie en musique. Où des petits génies se rencontrent pour une compétition amicale. Je vous les présente. Antoine Pellan-Raté, Jean-Philippe Cochon et Antoine Gagnon-Lamarche. Encore cette année, les filles n'ont pas voulu participer. Elles trouvent cela trop facile. Cette année, toutes les questions porteront sur la musique de film. Et le prix est un voyage à New York pour voir 10 comédies musicales en 2 jours. Wow! On n'a même pas le temps de manger puis dormir. C'est ça l'idée. On paye pas l'hôtel ni le repas. Alors, vous êtes prêts? Oui! Yeah! C'est moi qui ai le premier point! Mais non, Antoine, ça ne compte pas. C'est pas une question sur la musique de film. Première question. Quelle chanson de Céline Dion l'a fait connaître mondialement? La danse du canon? Non. Droit de réplique? Titanic? Non, je veux le titre de la chanson. Facile, voyons. My heart will go on. Même mon petit frère, il sait ça. Oui, c'est exact. Deuxième question. Qui tient le rôle de Maria dans La Mélodie du Bonheur? Madonna. Non, droit de réplique? Barbra Streisand? Non, droit de réplique? Mais non, c'est la voix pure et angélique de Julie Andrews. Oui, c'est exact. Troisième question. Dans quel film peut-on entendre la célèbre chanson Le pudding à l'arsenic? Ricardo! Non, c'est pas ça. C'est pas une recette de Ricardo, ça? Pourtant, il met plein d'affaires bizarres dans son pudding. Non, droit de réplique? Et un peu de sucre en poudre. On n'a pas demandé la recette. L'autre Antoine? Non, c'est Astérix et Cléopâtre. Oui, c'est exact. C'est l'égalité. Vous avez tous un point. Maintenant, on y va avec des questions rapides. Je vous donne des titres de films qui sont le contraire du vrai titre. Vous comprenez? Tant pis, on commence quand même. Sad Boy. Funny Girl avec Barbara Streisand. Oui, c'est exact. Le bruit du malheur. La mélodie du bonheur, je l'ai vue au moins 1000 fois. Oui, c'est exact. Dogs. Cats, de Andrew Lloyd Webber. Oui, c'est exact. C'est encore égalité. Nous allons poser une dernière question. Tous à vos sonneries. Nommez la comédie musicale québécoise la plus connue sur une musique de Michel Berger et sur les paroles de Luc Plamondon. Sonnerie! Désolée, vos sonneries fonctionnent pas. Il y a une panne de courant. Il se fait tard. Il n'y aura pas de gagnant. Je suis pressée. J'ai un rendez-vous chez le coiffeur. Avant de partir pour New York.